will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, that's your rising. Way, hey, that's your rising. Way, oh my god, A Pirate's Life. Oh my god, il est trop stylé. Allô, le menu. Oh, la musique de fond. Ouais, je crois que c'est... Non, c'était pas du Pirate Caribe, justement. Du sable. Ah, j'en ai plein. J'en ai plein les bottes. Ah, y'a rien dedans. C'est du sable, j'avais raison. C'est du sable. Ah ouais, c'est les références par cœur. Ah ah! De la magie! Ah! Ah, elle me fout le feu, cette connasse! Il y a un bateau dans le coffre. Ah! Ah, mais c'est pas. C'est référence au 4, ça, du coup, non? Oh, regarde là au fond, regarde derrière vous! Enfin, derrière toi, Narlis. Oh! I travel to another world. Oh! Un cabestan! Oh, regarde dans l'eau! Ah, c'est les pas. Bah oui, oh, c'est bien, le. Regardez devant. C'est l'autre monde, quoi. Oui, oui, mais. Et oui. Trop bien. Bah oui. Trop bien. Ah bah. Du coup, c'est normal. Tous à la même tête. Ah ouais, ils sont juste pas les mêmes cheveux, pas la même couleur de cheveux. Vas-y, mon immersion est cassée là. Regardez le phare, j'avais pas l'intention non plus. C'est nouveau le phare. Tu crois ? Ça se passe. La voix qui vient d'en haut par là. Navire ! Navire devant ! J'ai l'impression que c'est un mec qui parle dans le haut-parleur d'un carousel, tu vois. Les radarateurs, ouais, comme dans les vieilles attractions cheloues. En fait, on dirait vraiment l'attraction au Pirates des Caraïbes, tu sais. Ah oui, derrière nous, il y a aussi derrière nous à droite, à gauche et à droite. Ah oui. Devant nous, à gauche aussi. Ah, oh, c'est vachement classe, quand même. Il y avait un fantôme qui est apparu sur le bateau. Quoi? Ouais, il y avait un fantôme juste là. Non. Ce canon là, il y a juste. On s'est fait aborder. Mais de toute façon, non, on se rend compte, les gars, on est dans l'autre monde, de toute façon, donc c'est juste un truc random. C'est juste, c'est genre l'Oblivion, quoi. C'est l'enfer. Jusqu'à les arbres sont nous chez nous. Ouais, d'accord. C'est pour ça que j'ai pensé en fait à ça. Je jette l'encre. Faire un demi-tour à l'encre. GG! What? Incroyable, on a fait 10 degrés à l'encre. Mais c'est un demi-tour. Oui, mais c'était un demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a? Les herbes, elles changent de couleur quand tu prends dedans, regarde. Ah ouais, elles s'illuminent. Allez. Incroyable, RTX 1 les gars. J'avoue. Là, la référence, ouais, le 4ème. Non, 5ème. Ouais, mais là, c'est. On dirait qu'on a trigger deux fois le même animatronique dans l'attraction, là. Il pleut et tout. Ah. Trop bien. Yo ho ho ho. Trop bien. Je veux les sons téléchargés. En vrai, faudrait que je fasse un truc à thème pirate sur en 3D, moi. Ah, j'ai déjà fait un bateau, je suis con. ton nouveau défi, voilà, avec un rhythm engine, c'est engine, pardon. Engine. Tu recrées Cloud Pirates. Oh putain, mais ce jeu, je te jure. Il est un peu rouillé. Ou alors c'est un écho qui revient de très très loin. Mais au moins ils vivent une vinaigrette. Oh, il y a une cascade. Derrière la cascade. Oh non, c'est joli. Revenez. Derrière la cascade. Oh, il y a un truc qui brille. Poignée de rame. Allez. Oh.
Allez. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Mais c'est moi qui ai trouvé. Ça nous évitera de faire un demi-tour, j'imagine, du coup. Bah voilà, il faut une poignée. Ah bah tiens, Chez. Comme c'est cocasse. Oh, t'as niqué le jeu. Oh ouais, on est trop fort, hein. Tails, non, Tails. Je crois que c'est un truc pour lui faire peur et en plus le sens c'est un troll dans mon avis. Là. Ouais. Ah, c'est lui qui nous parle en fait. Ça va, on aura compris je pense. On a compris c'est bon. C'est lui qui est devenu fou, il a amassé toutes ses richesses là et puis il est mort. Voilà, exactement. Ils sont morts. Dead men will always have tales to tell. Ah, c'est ça le payoff. Vous nous dites tout à l'inverse. Vous nous cassez les couilles à la fin. C'était le payoff. Ah là là. Mais t'es assis en fait là. J'ai une petite musique en plus. J'ai une petite musique quand je m'assieds. Amour, t'as une tête qui sort du vagin, c'est très bizarre. On sait qu'il y a une cassette automatique avec un MP3 dedans. Non, mais c'est tellement l'attraction Disneyland quoi, au secours. Non mais c'est bizarre, on dirait que le mec de Disney l'a fait, il faut que ça ressemble à l'attraction. Mais oui, mais ça sera pas RP, il faut que ça ressemble à l'attraction. Quoi, quoi? En fait, ils sont contents parce qu'ils ont rajouté une nouvelle feature pour les totems. En fait. Trop bien. Oh l'animation. Vas-y amour. Ah oui. Hey, en plus c'est animé au moins, c'est cool. Ah oh, trop bien, regardez. Oh, oh bah, là c'est le bateau de qui ça au fond? Je sais pas, c'est des bateaux de squelettes ça. Ah oui. Niveau 2 renommé, yes. Il se passe un truc là-bas les gars. Et les épaves. Ah, le phare, il s'allume. Les épaves se sont éliminées jusqu'au phare. La porte s'ouvre aussi, à droite. Ok, et le pont se lève. Il y a des gens qui tirent le. Qui lèvent le cabestan pour nous ouvrir le pont. Trop bien. Il dort dans son lit tranquille avec son galpin et les morts comme ça. Ah lol, trop bien. J'allume une bougie. Ah. Le fantôme. C'est trop stylé. Il y a une croix, il y a une croix. Encore une croix. Oui, hein. Plus haut à droite du phare. De la mer. Ouais, faut monter quoi. Tourée de rocher. Ah. Oh, Ah. 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 C'est je l'ai vu moi. Ouais, on passe ça doucement. Merde, ok. Il faut l'allumer. Allumer corde. Du coup, il va faire tomber la clé parce qu'ils vont se chamailler. On pourra la ramasser. Ah. Oh, je vous ai fait quelque chose. Non. Oh. Ah non, c'est obligatoire en fait. Ah, trop bien. Ah, je peux pas le faire de ce côté là. Ils vont faire deux. On se déplace. Voilà, il a bougé un truc et c'est gagné. Ouais. Ah non, ok, il triche. Tu peux le faire, Narmes. Ouais. Tu peux le faire. Mais ouais. Si elle touche. J'appuie sur Z, ça marche pas. Mal, c'est S. C'est S, justement. Ah, mais c'est débile. Pourquoi tu serais pas pour aller plus haut? Tu descends la corde. Mais tu descends la corde, comme quand tu baisses la voile. Ah, mais je vois pas le mouvement de la corde, c'est bizarre. Mais je le tape à terre, hein. Bon, vous voulez jouer solo, hein. Je vais essayer de pas m'offusquer. Bah dis-moi. Pas dégueu.
Il va jouer solo en fait, tout pillé devant lui. Hein? You'd better have a good reason for leaving me behind. Ça fait trop rire. Le mec en studio, on lui a dit, mets ça en bouche et parle et dis ton texte. Ok. Étudie les voiles, moi je vais tenter un truc. Je suis sûr que c'est de la couille, je vais faire ça pour rien, mais j'y retourne quand même. On a fait un effort aussi, machin. Ok. Je suis un génie. Ok. Donc là, le pont est ouvert. Enfin, il est gris, mais... Pourquoi tu pré-shot le black, Keblar? Ah. Oula! Voilà le vent! Ah, bah, le voilà le vent! Ah, pour le vol, oui! La profondeur des Caraïbes! Oh, la musique! Oh! C'est Monkey Island! Oh, la musique! Oh mon dieu! J'adore cette musique! Monkey Island, c'est Disney? Non, c'est Lucasfilm! Donc, ah oui, mais quelqu'un. Oui, ok. En prison, cette place, on a l'habitude de demander Gamer Stripwood. Trop bien! Je me suis dit, t'as pas arrêté de jouer. Genre, mais Monkey Island, des canons dans l'univers de Sea of Thieves et Pirates des Caraïbes, c'est trop bien! C'est ce que je. Ah ouais? C'est ce que. Oui, c'est comme ça que je me suis dit que les voiles pouvaient être dans ce sens-là, mais ça fait rien. Ah non, ok, c'est bon, j'ai compris les gars, c'est bon. En fait, il fallait les enlever pour pouvoir accéder au fanal, pour pouvoir mettre la lumière, en fait ça faisait rideau. Ah du coup, heureusement que je les ai placés dans ce sens-là, en fait. Vous, vous avez déplacé, bon, on était déjà bon en ce moment-là. Ok, ça va. Au moins, on sait à quoi ça servait, comme ça on n'est pas tracassés. Dead man, tell no tale. Ouais, niveau discrétion. Breaking the pirate code. You have suffered under the weight of chains forged by your own misdeeds. And now your time is served. Il ne trouvera jamais. You shall not fully... C'est pas gentil. Ah t'as vu, il y a nos canons. Voilà, voilà. The cursed flame you carry has no place within my well of fates. Merde. Do not attempt to meddle with power beyond your comprehension. J'ai failli faire de la merde là. J'ai essayé de prendre la lampe et du coup il y avait le feu de l'âme dedans, dans ma lampe. J'ai failli le mettre dans la flamme du gars. Par contre c'est bien beau tout ça, c'est stylé et tout, mais c'est... Ah. C'est long. Voilà. C'est un peu long, on va pas se le gâcher. Et c'est bizarre parce qu'il y a rien pour meubler. Je pensais qu'on aurait pu parler avec les gens, tu vois. Ah mais on peut... en fait on l'a fait, il fallait pas le faire, on l'a fait. En fait c'est ça qu'il a dit qu'il fallait pas. Et on l'a quand même fait. En fait voilà ce qui va se passer, je pré-shotte le truc ça va. On va arriver dans les geôles, en dessous il y aura Jack Sparrow coincé dans des prisons de damnés. On va le libérer, ça va trigger David Jones, le ressusciter de random, on va se battre avec et on va s'enfuir random et survivre vraiment à la limite. Now, you can take the keys from his mouth and let me out. The winner gets this delicious bone. Il essaie déjà de me baiser. Je comprends, je suis hypé, ça y est. Cinématique. Vous voyez pas un truc là? Ok, je suis en train de caresser le cinématique. Chien. Je sais pas cinématique. Oh, il est stylé quand même. Ah, il a le médaillon Sea of Thieves dans le... dans ses perles là, dans sa natte, okay. À la place. Ouais. Bon, je le libère ou on rentre chez nous? On rentre chez nous. Ok. On rentre chez nous, Kini. Allez, ok. A golden key to other lands, in eternal freedom. Plundered from the lair of a heartless squid, and used to assist in the daring escape that led me to... Shiny, isn't it? Quoi? Mais... Il y a des mobs? Il a des pops. On a pas dit Jack Sparrow.
You know, I haven't had so much as a crumb of meat since I got here. I'm not really sure we're here. Ça marche pas. Ah mais oui, mais les gars, techniquement, Davy Jones fait le même taf que le passeur, tu vois. Ah oui. Dans l'univers des Pirates des Caraïbes. Mmh, c'est ça que je pensais le voir directement, moi. Il est super beau. Putain, les canons sont stylés. Oh, il a fait l'animation, il en a peut-être tombé un dans le vide. Oh, what? Les gars, il y a un énorme. De base, pour moi, c'est le meilleur perso de toute la série de Davy Jones. Ouais, ouais, clairement. Oh non. Quoi? Il a appelé le Kraken. Oh oui, Kraken, oui. On met le Kraken dans... Le Kraken dans la mer des damnés. Un Kraken revivant, du coup. Là où il l'a réveillé. Ah oui, il a disparu. Fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Je suis désolé. Et vous avez dit, mettez pas la flamme dans le truc. Alors, du coup, ben, j'ai mis la flamme dans le truc. Si vous n'avez pas parlé de la flamme, j'aurais juste attendu 10 minutes le temps qu'on arrive quelque part. Cette musique, par contre, est incroyable. Ouais, ouais. Incroyable. Ah, tu as vu cette musique? Elle est trop bien cette musique. Elle est magnifique la musique.